Reviendra-t-il dans The Voice? Si est-il la question que tout le monde se pose. Invité sur les ondes de la station RTL le mercredi 5 avril 2023, Florent Pagny a évoqué son avenir dans le programme de TF1. Et selon ses dires, rien n'est incertain. Je ne suis pas certain. Je commence à. A-t-il botté en touche avant d'ajouter, moi, je suis tout et son contraire. Je vais vous dire non aujourd'hui puis je peux le refaire demain. Je n'ai pas de soucis. Si est-il une super aventure. Comme l'a ensuite confié le chanteur de, l'émission a changé sa vie. The Voice m'a permis d'accéder à d'autres générations qui sont allées écouter mes chansons et qui arrivent dans les spectacles. Tu sens l'évolution et la différence. Si est-il une super équipe. J'ai passé 10 ans avec eux, ça a aussi changé ma vie, j'ai rencontré et je connais des gens extraordinaires qui y travaillent depuis toujours. Cette émission a toujours un parfum particulier. On a tous fait beaucoup d'émotions, tous ceux qui passent par The Voice te disent là, il y a une ambiance différente. Il y a 250 personnes qui travaillent sur cette machine et je pense qu'il y a en bien 200 qui sont là depuis le début, a-t-il expliqué. Florent Pagny donne de ses nouvelles à noter que si est-il pour parler de la sortie de son autobiographie, Pagny par Florent, aux éditions Fayard que Florent Pagny a accepté de se confier à Amandine Bégot et Steven Bellery. À cette occasion, il a aussi donné des nouvelles de son état de santé. Je suis en forme, je vais très bien, a confirmé la star. D'ailleurs, son retour sur scène est prévu pour juin 2023. J'ai un combat, j'ai un challenge, il faut batailler. J'ai hâte de me prouver que je suis capable de le faire. Je refais dans peu de temps de la chimio. Mais j'assure, juin je suis dedans et juillet j'envoie et je me prouve que ça marche, a conclu l'artiste atteint d'un cancer du poumon.